Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Je bénis le Seigneur une fois de plus ce soir. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis que je sois encore avec vous ce soir pour poursuivre ce séminaire qui a pour thème « Allume le feu ». Amen. Je bénis pour ce fond sonore, si on peut augmenter légèrement, s'il vous plaît. Voulons poursuivre avec ce que Dieu nous a fait grâce. Je bénis la confiance de l'homme de Dieu, pasteur Douglas, son épouse et toute l'équipe dirigeante de l'Église. Ils nous ont donné l'opportunité d'être avec vous pendant ces 3 jours et de vous partager la parole de Dieu. Amen. Et dis à celui qui est à tes côtés, les nouvelles choses se produiront dans ta vie. Amen. Alléluia. Non, dis-lui, je n'ai pas entendu. Amen. Lorsque nous allumons le feu, il y a des nouvelles choses qui se produisent dans nos vies. Amen. Alors, nous parlons d'allumer le feu. Nous avons parlé depuis le premier jour sur allume le feu. Amen. Et nous voulons poursuivre ce soir, toujours d'allumer le feu, cette fois-ci dans une dimension d'amour. Amen. Allume le feu de l'amour. Si vous voulez un thème, nous parlerons peut-être du feu de l'amour. Amen. Sûrement, si Dieu a donné ce texte, ce message, sûrement il y a un but qu'il va atteindre avec toi et avec moi, avec cette église, avec ceux qui nous écoutent de loin ou de près. Dieu veut atteindre un but particulier dans ta vie, la raison pour laquelle il a permis que nous soyons avec vous ce soir. Nous allons lire quelques textes bibliques ensemble. J'aimerais vous prier de vous lever, s'il vous plaît. Nous allons honorer la parole de Dieu en lisant les Écritures. Amen. Nous allons lire Cantique de Cantique, chapitre 8, verset 6. Cantique de Cantique, chapitre 8, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont comme des ardeurs de feu. Une flamme de l'Éternel. Amen. Nous allons prendre encore d'autres textes bibliques dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19. Nous lisons Matthieu 19, verset 19. Amen. Ok, nous lisons la parole du Seigneur. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous lisons encore la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 43 au verset 47. Matthieu, chapitre 5, verset 43 au verset 47. Nous lisons la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains agissent-ils de même? Pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Jean, 1 Jean, chapitre 4, verset 8. 1 Jean, nous lisons notre dernier texte de base. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Nous poursuivons sur l'enseignement que nous sommes en train de donner en ces lieux. Sur allume le feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit?
Dis à celui qui est à tes côtés, allume le feu. Dis-lui, allume le feu. Le Seigneur fait grâce par son amour. Par Paul, nous avons appris que Paul avait apporté du bois. Paul a aperçu le feu. Il savait qu'il y avait un feu quelque part. Il savait que les barbares ont témoigné de lui, de l'amour. Et lorsqu'il est arrivé, il est allé prendre du bois, connaissant qu'il avait déjà un feu. Amen. Il a pris du bois, il a mené dans le feu. Et la Bible déclare, dans ce bois, il y a eu une vipère qui est sortie sous l'effet de la chaleur. C'est ce que nous avons vu la semaine passée, le dernier jour que nous étions ici. Alors, après que tu aies connu cette personne, après que Dieu t'ait révélé l'image du diable, ce que le diable peut faire, ce que le monde est en train d'entramer dans ta vie. Alors nous voyons dans le livre de Cantique, où il est écrit que l'amour est comme un feu. Cette flamme qui est Dieu, qui est la flamme de l'Éternel, l'amour est très forte. Et la Bible dit que la nature de Dieu, Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour est un feu. Et de ce feu que nous voulons parler ce soir. Parce qu'au cours des âges, commençons par le livre de Genèse, nous constaterons que Dieu, par son caractère, a commencé à manifester aux yeux du monde, aux yeux des hommes, aux yeux des peuples, simplement une seule chose, son amour. Malgré qu'il y ait eu la rébellion dans le ciel, que le diable est descendu sous la terre avec une grande fureur, étant jaloux de l'homme, étant jaloux de la créature de Dieu, qu'on appelle Adam, parce que Adam avait la ressemblance de Dieu, la gloire de Dieu, le feu de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Le diable étant descendu sur la terre, étant jaloux d'Adam, voyant que Dieu lui avait tout donné. Dieu lui avait tout donné. Adam avait tout. Il dominait sur toutes choses. Et alors, ce diable, le diable viendra à Satan. Il a troublé la femme. Il a commencé à transformer la parole. Dieu, dans son amour, par Ève, Adam va tomber. Alléluia. Amen. Adam tombe. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, comme la nature de Dieu, son caractère, ce qu'il fait, Dieu, c'est qu'il est amour. L'amour, la Bible déclare que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Alléluia. Alors Dieu, dans son amour, n'a pas commencé à chercher son propre intérêt. Il s'est lancé dans un projet d'amour. Il s'est lancé dans une conquête auprès de l'homme à cause de l'amour. Pas à cause d'autre chose. L'homme est tombé dans le péché. L'homme a écouté, la femme a écouté une autre personne. C'est pour cela, en passant, j'aimerais ouvrir une page pour vous dire, vous devez savoir qui vous écoutez. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention. À cause d'être au mauvais endroit et écouter une mauvaise personne, ça peut détruire votre destinée. Amen. Ça peut détruire ce que Dieu a prévu pour vous. C'est pour cela, il faut lever le feu. Jauger tout conseil par le feu. Faire passer par le feu. Éprouver. Dieu s'est lancé dans l'amour, dans un projet extraordinaire. Et la Bible déclare, au livre de Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Voyons par les prophètes qu'il n'y avait pas de solution. Voyons par tous les messagers, le péché était là, il n'y avait pas l'amour. L'homme était devenu méchant, l'homme était devenu cruel, l'homme était devenu tellement méchant et qu'il n'y avait pas de solution pour l'homme. Et Dieu lance son amour. Va permettre que Jésus, il porte lui-même la peau et il descend sur la terre à cause de l'amour. Il quitte le trône, il vient sur la terre à cause de l'amour. Ce n'est pas parce qu'il voulait venir sur la terre non plus, c'est parce qu'il était faible d'une créature. Il était tellement possédé par l'amour à l'égard d'une personne. Il est tellement possédé par l'amour à l'égard d'une nation. Il est tellement possédé par l'amour à l'égard du monde. Il était tellement possédé par l'amour à l'égard des hommes et des femmes françaises, peu importe les couleurs de peau.
Tu peux être rouge, blanc, jaune, violette, peu importe, des races. Jésus était tellement, Dieu est tellement passionné de toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé, il ne s'est pas arrêté d'aimer, malgré les erreurs que nous commettons, malgré ce que nous faisons, malgré là où nous sommes plongés, Dieu continue par son amour de nous aimer. Ça ne veut pas dire parce que l'amour de Dieu n'est pas la faiblesse de Dieu. Mais au contraire, l'amour de Dieu, c'est la force de Dieu. Les hommes pensent que l'amour de Dieu, c'est la faiblesse de Dieu. Les hommes et les femmes, croyant parce que Dieu est mort, bon, il est tellement aimable, il nous aime, on peut se fauter dans le péché, mais fais attention, car son amour peut se tourner vers toi, qu'on appelle le jugement de Dieu. Malgré l'amour, il y a deux trônes. Il y a le trône de grâce. Il exprime son amour. Alléluia. La Bible dit, approchons-nous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc, à cause de la miséricorde, le trône de grâce est encore établi et que nous pouvons nous approcher à cause de l'amour. Mais après, il viendra un tremblement là où il fera la justice. Jésus est venu sur la terre. Sur la croix, il y aura une nation qui va naître. Sur la croix, il va commencer à restaurer ce que le premier Adam a perdu. Parce que le premier Adam, la conception, la Bible déclare le premier Adam, Dieu va lui faire dormir parce qu'il était seul. Mais Dieu voulait sortir de Adam quelqu'un de particulier, une personne de particulière. La Bible déclare, il va faire asseoir. Adam va dormir. Pendant qu'il dort, Dieu va prélever l'une de ses côtes, va commencer à fabriquer une femme qu'on appelle Ève. Ève qui veut dire « vie ». C'est la même chose qui s'est passée sur la croix. Pendant que Christ était sur la croix, pendant qu'il n'avait plus rien à dire, la Bible déclare, on a percé ses côtés. On a percé l'une de ses côtes. On a percé l'une des côtes. La Bible dit que l'eau et le sang est sorti. L'eau, la parole. Le sang, la vie. L'église est sortie. L'église est née. Cette église qui est l'ensemble des hommes et des femmes qui connaissent Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui veulent suivre Jésus, qui sont fiancés à Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Et la Bible déclare, si quelqu'un n'a jamais connu l'amour, n'a jamais connu Dieu. Tu n'as jamais connu Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, malgré qu'il a manifesté son amour, il a constaté que notre amour était tant. Alors, il vient lui-même, Jésus. Lorsqu'il vient sur la terre, il vient rallumer la flamme de l'amour auprès des disciples. Il était avec les disciples, il commençait à les enseigner. Par sa vie, par ses actes, par son attitude, il manifestait une seule chose, l'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Il va dire, vous avez appris, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Le Seigneur peut te faire grâce de découvrir les pensées des hommes, les intentions des hommes à cause du feu. Dieu peut te faire grâce de connaître la nature profonde d'un homme. Il peut être franc-maçon, il peut être pêcheur, il peut être sorcier, il peut être une sorcière même dans ta famille. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois on peut te dire, non, il faut le fuir, il ne faut plus le saluer. Il ne faut plus être bien avec lui, parce que c'est lui qui veut à ta vie. Peu importe, mais Jésus a dit, vous avez appris. Amen. Vous avez appris. Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'il faut commencer à haïr notre ennemi. C'est ce que plusieurs personnes ont appris par le monde, pour régler les ennemis. Alléluia. Amen. Mais Jésus dit ceci. Il dit dans Matthieu 19, Matthieu 5, nous avons lu tout à l'heure, vous avez appris qu'en vous disant ceci, et il dit, vous devez aimer, bénissez, aimer vos ennemis. Amen. Il est temps de rallumer la flamme de l'amour. De commencer à aimer nos ennemis. De commencer à aimer ces personnes que nous connaissons qui sont ennemis de notre vie. Tu connais que ces personnes, par leur conseil, par sa manière de faire, ne veut pas que tu avances, mais veut que tu puisses reculer. Peu importe ses réactions, tu dois l'aimer. C'est ça la dimension que Dieu attend de nous, cette flamme d'amour. De la même manière, malgré tout ça, Dieu a manifesté. Il attend, toi et moi, nous manifestons l'amour.
Mais quelle est notre réaction? Lorsque nous connaissons que une personne ne nous aime pas, lorsque nous connaissons que cette personne est notre ennemi, nous réagissons pareillement. Nous aussi, nous nous créons comme un ennemi pour lui. On n'arrive même pas à le saluer. L'amour a disparu au milieu de lui. Jésus va dire, aimez vos ennemis. Je sais que c'est difficile, mais Jésus a dit, aimez vos ennemis. Certaines prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas prier. Ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas comment jeûner. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas les belles faces. Mais c'est parce que dans ton cœur, il n'y a pas d'amour. Amen. La haine a pris de la place dans nos vies. Où nous commençons à haïr nos ennemis. Dieu dit, tu dois aimer ton ennemi. Qui est ton ennemi? C'est la personne qui te fait. Qui est ton ennemi? C'est la personne qui te donne des mauvais conseils. Qui est ton ennemi? C'est la personne qui s'oppose à ta destinée. Amen. Qui est ton ennemi? Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un jeune homme, les hommes, ses frères se sont opposés à sa destinée. Ce jeune homme avait l'image de Jésus. Il était au milieu de ses frères. Mais la Bible déclare, Dieu commençait à lui parler par des anges. Il va dire à ses frères, mais prendu par la jalousie, ses frères vont le vendre. Ils vont le vendre, il va passer des moments difficiles. Il sera vendu, il arrive en prison à cause de la jalousie de ses frères. Alléluia. Il arrive en Égypte, encore, il est encore jeté par quelqu'un, Potiphar. Potiphar l'achète, il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar commence à l'envier pour lui faire tomber tous les jours. C'était son ennemi. Il n'a pas dit, créant pour nous longtemps, non plus. Je sais que tu vas t'opposer à moi, mais je préfère me sacrifier pour Dieu. Je préfère garder ma sanctification parce que la Bible déclare, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. La Bible déclare, il est jeté en prison. Tout cela à cause de ses frères. Dieu va l'élever. Amen. Et le jour qu'il va voir ses frères, lui-même, il a eu des larmes. Il n'a pas haï ses frères. Il leur a dit une chose, une parole puissante. C'est Dieu qui a fait que par vous, que j'arrive ici pour vous bénir. Amen. Alléluia. Ton ennemi, tes obstacles vont se transformer en soumission parce que Dieu place tes ennemis pour pouvoir honorer, glorifier son nom dans sa vie. Il n'y a pas gloire sans ennemi. Alléluia. La Bible déclare, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des hommes et des femmes qui nous maudissent tous les jours, dans notre vie quotidienne, dans le travail, peu importe partout où nous passons. Nous avons des hommes et des femmes qui nous maudissent, qui disent, oh voilà, elle est n'importe quoi, on va voir, bon c'est fini, mais je te dis par rapport à ça, ça ne peut pas marcher. Même ton mari te dit, si seulement il y avait que les femmes comme toi là, c'est fini. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, à l'égard de ces personnes, nous devons commencer à les bénir. Ta tante t'a maudit, elle a dit que tu ne réussiras pas, tu ne mettras pas au monde, tu n'avanceras pas. Commence à dire, ma tante, je te bénis au nom de Jésus. C'est l'attitude que les chrétiens doivent adopter à voir. Mais nombreux, nous ne bénissons pas. Nombreux, nous commençons à maudire. Seigneur, nous voulons que le feu descende du ciel. Abatte sur elle. Méchant. Méchante. Païen. Et païen. Parce que nous n'avons pas connu Dieu. Jésus, on l'a rejeté. Les gens l'ont maudit. Il est allé sous la croix. Il n'a pas déclaré une parole de malédiction à leur égard. Il a dit, Père, s'il te plaît, pardonne-le. Une parole de bénédiction est sortie dans sa vie pour exprimer la parole qui dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Allume le feu de l'amour. Allume le feu de l'amour. La Bible déclare, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Faites du bien. Dis à ceux qui ont dit, faites du bien.
Fais du bien. Je sais qu'il y a des gens qui te haïssent, tu connais même bien. Nous autres, le Seigneur a fait grâce pendant qu'on grandissait, on a vécu de beaucoup de choses. Parfois, vous êtes dans la maison, il peut arriver, hein, des exemples. Vous êtes dans une maison, vous avez une marade, ou ce n'est pas votre mère, bon, vous êtes peut-être le neveu du monsieur, et la femme du monsieur, quand elle sert la nourriture, elle fait ses enfants des grosses montagnes, mais vous, alléluia, c'est pas ça? Amen. Mais alors, tu sens bien que la haine s'exprime. Tu sens bien et tu le vois. C'est-à-dire que les enfants d'autres, on les amenait dans les écoles privées, là où c'est très cher, bien éducation. Mais toi, comme tu es le neveu XY, il n'y a pas l'école publique dans le quartier là. Amen. La haine. Tu sens ça quand... Mais toi aussi, attendez, moi aussi, quand Dieu va me bénir, moi aussi, incrédule et païen. Ce que nous faisons et ce que nous vivons. Le Seigneur veut que nous puissions aller. Et la Bible dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Tu peux être enfant ici en ces lieux, tes parents te persécutent. Ils ne veulent pas que tu viennes prier. Ils ne veulent pas que tu développes une intimité personnelle avec Jésus. Alors ne t'arrête pas. Prie pour eux. Ne les haïsse pas. Ils permettent simplement, par la persécution, que ta foi puisse s'asseoir. Il n'y a pas affermissement sans persécution. Il n'y a pas un bon départ sans persécution. Les disciples ont reçu l'onction, ont reçu la puissance, le jour de la Pentecôte. Ils sont restés à Jérusalem. Ils ont commencé à rester à Jérusalem. Commencé pour eux à gérer des histoires. Dieu s'est dit, waouh, mais est-ce que c'est à cause de ça que j'ai gaspillé l'Esprit du Seigneur sur vous? Non, parce que la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et ils sont restés à Jérusalem. Alors le Seigneur envoie quoi? La persécution. Lorsqu'ils sont persécutés, chacun commence à prendre sa voix. Et par là, on voit Philippe qui commence à prêcher. Un diable commence à annoncer la parole. Et il commence à vivre les miracles de Dieu. Alléluia. Sans persécution, tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. La persécution te forge. La persécution te forme. Et la persécution t'amène au destiné de Dieu. Souvent, nous fuyons la persécution. Nous voulons le lait, le miel. Mais sache-le dans ta vie. Lorsqu'il n'y a plus de persécution, c'est que tu as tissé une alliance avec le diable. La Bible déclare. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire, si lui, son but, c'est voler, égorger, détruire, s'il rôde autour de toi, et s'il ne fait rien, ça veut dire qu'il était déjà passé. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire, s'il rôde là, tu ne sens rien, c'est qu'il est passé. Il était déjà là, il a laissé ses empreintes. Ça dit qu'il te gère. Amen. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne le déranges plus. Quand... Alléluia. Lorsque nous haussons notre vie de prière, lorsque nous haussons notre intimité dans la prière, lorsque nous haussons notre intimité dans la sanctification, nous haussons aussi les qualités de l'opposition du diable. Au fur et à mesure que tu montes avec Dieu, c'est au fur et à mesure que le diable crée son conseil diabolique pour savoir comment te réduire parce que tu deviens pour eux un objet, une personne gênante, dérangeante. Amen. À cause de toi, lorsque tu vas prier, les démons vont prendre la fuite. Alors ils vont continuer à étudier tous les jours comment te faire tomber. Et si tu penses, je prie, il n'y a plus rien. Le démon a peur de moi. Non. On voit ta vie. Amen. Il y a des gens qui maltraitent. Même au milieu de service. Beaucoup vivent l'injustice. Tu n'es pas avancé. D'autres personnes sont avancées. Tu es même plus intelligent que eux. Tu fais plus de travail que eux. Tu travailles mieux que ceux-là. Mais d'autres, on les avance, mais toi, on ne t'avance pas. Dans plusieurs niveaux, les autres ont des catégories, mais pas toi. Nous vivons, nous sommes maltraités tous les jours par des hommes.
et des femmes, dans la manière de faire, dans les agissements. Le Seigneur demande pour ces personnes. Ton chef te voit, tu te sacrifies, mais pour lui, il ne pouvait pas te voir avancer. Comme vous n'êtes pas les mêmes gardes du même coin, comme vous n'êtes pas tribalistes, vous ne vous priez pas soi-disant ensemble. Je dis à quelqu'un, peu importe, je connais une seule personne. Peu importe l'endroit, même si on veut rien, on a placé une grosse pierre. Mais cet homme-là, quand il est capable, il va te sortir. Qu'il y ait relation ou pas, qu'il y ait problème ou pas, qu'il y ait négociation ou pas, il passera, il va te délivrer, il va te placer là où il désire te placer. Cet homme, c'est Jésus. Il n'a pas besoin de visa. L'autorisation de tes parents, l'autorisation de ta famille, l'autorisation de ton pays, lorsqu'il a décidé de t'élever, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il te prendra de la poussière, il te fera soin. Et la condition, c'est que tu allumes le feu de l'amour. Pour devenir comme lui. Parce que l'image de Dieu, les fils ressemblent à leur père. Et la Bible déclare, le Seigneur nous a donné son esprit. Le but du Saint-Esprit, c'est de déproposer dans nos vies, de reprendre dans nos cœurs l'amour de Dieu, afin que nous nous identifions à l'amour de Dieu et que nous devenons comme Dieu. Amen. Il dit, si quelqu'un n'a pas connu l'amour, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Sans l'amour, nous sommes rien. Nous serons comme des cymbales qui résonnent. Nous allons prophétiser, nous allons dire quoi que ce soit, nous allons prêcher, mais au-dedans de nos cœurs, il y a la haine, la méchanceté, la jalousie, l'animosité. Le manque de pardon qui prend de leur place dans nos cœurs. Alors Jésus, pendant sa marche sur la terre, va exprimer les 7 dimensions de la compassion à cause de l'amour qu'il avait. Alléluia. Il va manifester 7 dimensions. 7 de la compassion qui est l'expression de l'amour que nous devons avoir. La première dimension. Amen. Dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 36, la Bible dit, il voyait une foule qui n'avait pas de berger. 9, 36. Nous disons la parole de Dieu. La Bible dit que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Jésus a vu la foule qui le suivait. Il n'a pas vu les disciples, il n'a pas vu les pharisiens qui faisaient semblant de prier, mais il a vu la foule. Il a eu compassion de cette foule. Il a eu compassion de ces personnes qui marchaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quelle l'image des païens, l'image du monde, l'image des féticheurs, l'image des magiciens. Alléluia. Le monde autour de nous, nos amis, nos connaissances, c'est l'image de la foule. Ils n'ont pas de berger, mais ils attendent des hommes et des femmes comme toi, remplis d'amour de Dieu, par le feu de l'amour, vont exprimer la compassion pour leur faire comprendre, parce que tu ne peux pas marcher comme ça, tu as besoin d'un berger. Mais je connais un berger. La Bible dit qu'il est le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il se sacrifie pour ses brebis. Je connais un bon berger. Le bon berger s'appelle, il est le chemin, la vie et la vérité, la personne de Jésus. Dieu t'attend pour que toi et moi nous manifestions l'amour de Dieu. La compassion de Dieu. En allant vers les païens. Ces hommes sont conduits par le diable. Ils n'ont pas de berger. Ils sont errants. Par-ci, par-là. Dans les boîtes de nuit. Chez les féticheurs quand il y a un problème. Chez les boulamananga. Chez nous, en fait, on les dit les féticheurs. Amen. Mais c'est à toi et moi. Jésus va voir cette foule. Il sera bouleversé. Pourquoi? Parce qu'il avait la flamme d'amour qui brûlait. Dans son cœur, quelque chose bouillonnait qui était profond. On appelle l'amour. Et il a exprimé par la compassion. La Bible dit, il fut ému de compassion. Est-ce que toi, tu as compassion de ton voisin? Est-ce que tu as compassion de tes collègues de service qui ne connaissent pas Dieu? Les amis qui ont fréquenté avec toi depuis l'école primaire? Tu le crois sur Facebook, mais vous dites quoi?
Tu le croises dans les rues, dans les supermarchés, vous vous dites quoi? Est-ce que déjà il y a eu un jour, tu as manifesté la compassion à l'égard de ta famille? Non. Non. Nous ne manifestons pas la compassion. Et alors, comment reconnaîtront-ils que nous sommes des fils de Dieu? Dieu attend, comme Christ a manifesté cette compassion au niveau de la foule, il attend toi et moi que nous manifestions cette compassion. Et compassion de l'âme qui est à tes côtés. Tu seras content lorsqu'il sera dans l'enfer et toi tu es au royaume. Est-ce que tu as ce souci, la compassion de la foule? Dans les trains, est-ce que tu as compassion? Non, non. Tu as des écouteurs, chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc, quand tu rentres dans le train là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas un verset biblique. Amen. Ce n'est pas un verset biblique. Chacun pour soi. Non, 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 non. La Bible dit qu'ils avaient tous en commun. Dieu était là au milieu d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles. La deuxième dimension de la compassion. Matthieu 14, 14 nous le dit. Jésus va manifester encore la compassion à l'égard des hommes, à l'égard d'un type d'homme. La Bible dit, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule encore et fut ému de compassion pour elle. Il les guérit et il guérit les malades. Nous devons apprendre à manifester. Jésus va manifester son amour à l'égard d'une foule. Mais dans cette foule, il y avait les malades. Les gens qui avaient des infirmités en eux. Les gens qui souffraient. Les hommes qui n'avaient pas la paix. Les gens qui étaient stressés. Les gens qui étaient bouleversés, qui souffraient des maux d'estomac. Qui avaient des cancers, des, je sais pas, des kystes. Jésus va s'arrêter. Lorsqu'il descend, il voit. Il est tellement tourmenté. Il dit, bon non les gars, restons d'abord. Il commençait à guérir. Jésus a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Nous avons perdu la flamme de l'amour de Dieu en visitant les malades, en priant pour les malades, en guérissant les malades. Tu as ce pouvoir, frère. Alléluia. C'est Jésus qui guérit par toi. La Bible dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les bishops, les archis. Non! Mais la Bible dit que voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Nous avons perdu la compassion de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades. Même au milieu de l'assemblée, lorsque quelqu'un est malade, on est incapable de lui rendre visite. On est incapable. Et nous arrivons seulement à faire, bon, comme c'est le frère Junior, on est bien avec lui. Bon, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars. Si tu es malade, moi aussi je suis malade, je vais le rendre visite. La Bible dit peut-être rien. Si tu fais, vous faites que du bien à ceux que vous faites du bien. Vous faites rien. Vous ressemblez aux païens. Les païens agissent de même. Les fils de ce monde se comportent de même. Mais Dieu veut des fils. Il veut voir la révélation. Des fils qui vont dire à la nation, à la création, la manière que vous marchez, ce n'est pas celle-là. Regardez comment Dieu veut. Regardez l'image de Dieu en moi. Regardez la gloire de Dieu en moi. Mais lorsque tu es malade, je viendrai. Même si je ne te connais pas, même si on ne vit pas ensemble, même si ce n'est pas de même, pas toi, mais à cause de l'amour de Dieu en moi, je veux simplement manifester cet amour. L'amour de Dieu va guérir les malades. Alors, il y a encore une chose, les sept, la deuxième dimension. Somme dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 35. Nous sommes sur la troisième dimension de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Matthieu 15, verset 35.
La Bible dit, ayant appelé ses disciples, et dit, Matthieu 15, verset 38, ayant appelé ses disciples, et il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien mangé. Je ne veux pas les renvoyer à Jean de peur que les forces de leur manque en chant. 3 jours, la foule suivait Jésus. Toi, ça fait combien de temps les gens te suivent? Ça fait combien de temps les gens connaissent que tu pries? Peut-être tu n'as pas une foule qui te suit comme ça. Bon, vous n'êtes pas des disciples non plus. Mais tu as une foule de personnes qui connaissent que tu as donné ta vie à Jésus. Tu as une foule de personnes qui savent que tu pries. La preuve en est, ils te disent, même vous qui priez, ça veut dire qu'ils connaissent ton image. Ils connaissent ce que tu es. Mais ça fait plusieurs temps que tu as donné ta vie à Jésus. Mais ils étaient là pendant 3 jours. Ils n'avaient pas mangé. Ce peuple qui est autour de toi a faim de la parole. Ces gens qui sont dans ton bureau ont soif et faim de la parole. Ils sont affamés. Ça fait plusieurs temps que tu es dans ton bureau, tu es avec tes collègues de service. Tu es incapable de prendre la Bible, de dire, regardez, même Jésus t'aime. Incapable de donner la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture physique que je vais me dire aujourd'hui. Mais je parle, la Bible dit que l'homme ne sera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'on a la compassion, l'amour de Dieu, le feu de l'amour en nous, nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous allons commencer à déverser la parole, à se soucier des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Est-ce qu'ils ont mangé? Prends la parole, prends un message, même si tu n'as pas le courage. Prends peut-être, je ne sais pas quoi. Donne la parole à quelqu'un qui est auprès de toi. Par la parole, lorsque tu vas ouvrir ta bouche pour parler, Dieu va accompagner. Alléluia. Tu n'as pas de force à faire. C'est le Saint-Esprit qui agira. C'est pas toi. Mais toi, donc, ce que Dieu attend de toi, ouvre ta bouche et sers le peuple. Pasteur, sers le peuple. Ancien, serve le peuple. Ma soeur, sers le peuple. Mon frère, sers le peuple. Peu importe, pas seulement à l'église. On veut tous se battre pour la chair. On veut tous se battre pour être vu. Mais mon frère, là où tu es tous les jours avec des amis, vous passez plusieurs temps ensemble. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Prends du temps, ouvre la Bible, commence. Même si tu n'as pas le courage, dis-leur au moins, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse. Ouvre ta bouche. Nourris, donne la parole. Les gens ont faim. Ils ne veulent pas les blablabla. Ils ne veulent pas de n'importe quoi. Ils ont faim et soif de la parole. Les païens que vous voyez là, ils veulent la parole. Ils veulent entendre Dieu. Ils cherchent. Dans le métro, prends ton courage, ouvre ta Bible. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de force, d'intimidité. Nous avons reçu un esprit de force et de courage. Et de sagesse. Amen. Alléluia. Jésus va nourrir le peuple. Et Dieu attend que toi et moi, nous puissions nourrir le peuple. Nous puissions nourrir ceux qui sont autour de nous en manifestant l'amour qui est en nous. Si tu n'as pas cet amour, tu ne pourras jamais. Tu vas t'arrêter, tu fermeras ta bouche. Amen. La 4e dimension, Matthieu 20, verset 34. Là, nous avons encore sérieusement des problèmes. Matthieu 20, verset 34, nous lisons. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent leur vue et le suivirent. Amen. Amen. Non, Matthieu 20, verset 34. Jésus va toucher les yeux des aveugles. Il y avait des aveugles qui étaient là. Amen. Ils ne voyaient pas. Nous avons autour de nous beaucoup d'aveugles. Jésus va toucher, va guérir. Il y a des hommes et des femmes, vous les voyez normalement, mais ils sont aveuglés. La Bible dit, si un aveugle a conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans
Les hommes qui vont consulter les charlatans sont des aveugles. Les femmes qui pensent pour soutenir leur foyer, elles ont besoin de poussière, de poudre, de bouteilles, de chapelets, de fétiches. Elles sont aveuglées. Alléluia. Les hommes qui pensent pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir de l'argent, qu'il faut livrer son âme à Satan en intégrant les loges, les talismans, la franc-maçonnerie, tel secte, ils sont aveugles. Ce type de personnes ont besoin qu'il y ait des hommes comme toi et moi, ayant la compassion, le feu de l'amour dans nos cœurs, en leur regardant, en leur disant, bien-aimé, il est temps. Regarde, ça c'est. Et la Bible dit que Paul, Dieu l'a aveuglé. Et les écailles sont tendues. C'est possible que leurs écailles tendent. C'est possible, même dans la vie de ton oncle, que ces écailles tombent. Alléluia. Il y a eu le Samaritain aussi. Le Samaritain, le bon Samaritain. Jésus aussi a exprimé sa compassion. Il a pris l'image du Samaritain. Il y avait plusieurs personnes qui sont passées. Il y a eu le sacrificateur. Il y a eu le Lévite qui est passé. Mais il y a eu un bon Samaritain. Un homme était tabassé. Un homme était bourré. Mais le Lévite est passé. Ceux qui vont tous les jours, ceux qui prient, ceux qui sont pasteurs, ils sont passés. Ils ne sont pas occupés de la personne qui souffre à leur côté. C'est l'image que nous avons aujourd'hui devant nos gares, devant les Français. Beaucoup de personnes, ils peuvent passer quelqu'un en danger. Ce n'est pas leur problème. Ils sont passés, ils prient. Et après, la Bible dit que le sacrificateur aussi est passé. Mais le bon Samaritain s'est arrêté. Il a vu cet homme qui a été tabassé. Il a pris cet homme. Il l'a amené dans un hôtel. Il a payé l'hôtel. Il a dit, prenez soin de lui. On a commencé à penser ses plaies. L'image de ce Samaritain est l'image du Christ qui a pris un homme dans la boue du péché. Le diable l'avait chicoté. Le diable l'avait tabassé. Le diable avait fait tellement de blessures. Les blessures du cœur, les blessures intérieures. Tellement, il a eu tellement de cicatrices, de mauvais souvenirs. Mais Jésus t'a pris. Il t'amène dans l'église. Il t'amène dans sa maison. Alors, il commence à te penser par l'Esprit de Dieu. Il commence à te guérir, il commence à te nettoyer, il commence parce qu'il a payé, mais il a payé comment? Sur l'œuvre de la croix, sur la croix, sur la croix, Jésus est allé, il a payé tes douleurs. La Bible dit, nous avons été passés maître sur, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia, alléluia, il a payé pour toi. Pourquoi il a payé? C'est parce qu'il avait l'amour de Dieu pour toi. Il ne s'est pas arrêté là où les prophètes sont passés, mais lui s'est arrêté. Là où les hommes sont passés, lui s'est arrêté pour avoir compassion de ta vie, compassion de ta situation. Parce que ta situation a mis du temps, parce qu'il est temps qu'il change, qu'il y ait une nouvelle saison dans ta vie, une nouvelle chose dans ta vie. Alléluia. Jésus a manifesté la compassion sur la parole. Beaucoup des hommes, peut-être la sixième dimension, il a manifesté l'amour sur la croix. Les gens l'ont rejeté, l'ont fragilé. Il a dit, Père, pardonne-le. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner? Toi et moi, l'amour pardonne, l'amour supporte. Mais est-ce qu'on est prêt à pardonner? Nous avons fermé des gens dans nos vies, dans nos cœurs. On les a emprisonnés par manque de pardon. Le pardon aujourd'hui est tellement entré même dans l'église, même au milieu des chrétiens. On est incapable, on est devenu hypocrite. Des lèvres ont dit pardon, mais de nos cœurs, nous sommes encore rancuneux. La preuve honnête, on ne peut même plus saluer la personne. Dès qu'il y a un couac, on ne peut plus rester comme avant. Mais Dieu nous pardonne tous les jours. Jésus nous pardonne tous les jours. Et mais nous sommes les premiers à réciter soi-disant des prières. En disant notre Père qui es aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne. Donne-nous, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Depuis quand toi tu as pardonné ceux qui t'offensent? Et tu veux que Dieu te pardonne?
Le pardon commence d'abord par ton prochain. Le pardon, c'est l'œuvre de la croix. Parce que le pardon, il n'y a pas pardon sans un pardon latéral. C'est-à-dire entre homme et homme que tu vois. Jésus a dit, si vous n'aimez pas la personne que vous voyez, à plus forte raison que Dieu vous ne le voyez pas. Si tu ne commences pas d'abord à aimer la personne que tu vois, c'est-à-dire entre toi et moi, nous ne nous pardonnons pas. Ne pense pas que Dieu va quitter le ciel, va te pardonner sur la terre. Quelle image de la croix. D'abord, toi et moi, on doit se pardonner. Peu importe, même si j'ai été offensé, même si toi tu m'as offensé, même si j'étais offensé, mais nous devons nous pardonner. On voit aujourd'hui, à l'église, il y a manque de pardon. Dans le foyer, il y a manque de pardon. L'épouse a commis une erreur. Mais l'homme est difficile. Son cœur est attaché, fermé, pour pardonner son épouse. Même son épouse, avec laquelle il passe plusieurs temps ensemble. Il dort même le même lit. Il partage les draps ensemble. Mais le cœur est tellement meurtrier. Il trouve des occasions de ne pas pardonner sa femme ou son mari. Nous nous comportons comme cet ouvrier. Il vient vers Jésus. Il vient vers ce maître. Il dit, ah, j'ai commis une erreur. Ok, d'accord, je te pardonne pour cette dette. Je pardonne la dette. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui le devait. Il arrive, il dit, mon gars, lui m'a pardonné, mais pas toi. Il dit, pardonne-moi. Il n'a plus pardonné. C'est comme ça, nous. Dieu nous pardonne, mais nous sommes incapables de pardonner notre prochain. Pourquoi? Parce qu'il manque là. Et c'est le blocage de nos prières. C'est ce qui fait frein à la présence de Dieu dans nos vies. C'est ce qui fait frein à la gloire de Dieu dans notre vie, dans l'œuvre de Dieu, dans notre foyer. Si on n'avance pas, c'est parce qu'on ne pardonne pas. Tu veux être élevé, même si on a fait du mal, pardonne. Par le pardon, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Allume le feu de l'amour. Allume le feu du pardon. Allume le feu de l'amour. Il y a des gens qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. La raison pour laquelle tu commences à souffrir des maux d'estomac, parce qu'il y a eu des hommes qui t'ont blessé convenablement. Ou des femmes, ou des parents. Ils ont fait de l'injustice. Ton cœur a été blessé. Dieu te dit, pardonne. 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 Je vais m'arrêter par là. Dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 29 au 49. Ici, Jésus va être avec un ami qu'on appelle Lazare. Lazare sera mort. Dans 11, 35, Jésus va pleurer. Il ne va pas pleurer parce qu'il avait vu des hommes pécheurs. Il va pleurer parce que son ami est mort. Amen. Nous avons plusieurs. Nous avons des amis qui sont morts. Ton meilleur ami, c'est qui? Parfois, c'est un païen. Il est mort. Nous avons l'œuvre de la résurrection entre nous. La puissance de la résurrection. Jésus va se présenter devant le de Lazare. Il ne va pas réfléchir pour dire quoi que ce soit. Il dira simplement, Lazare sort. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, en déclarant une parole, il était rempli de la puissance de la résurrection à l'intérieur de lui. Il était lui-même la résurrection. Ce n'était pas pour la première fois qu'il le démontre. Parce qu'une fois il a démontré, il rencontrait un cercueil. Parce que ce jour-là, il y avait deux croisements. Il y avait deux cortèges. Il y avait un cortège de mort. Il y avait le cortège de vie qui marchait. Les deux vont se rencontrer. L'enfant était dans le cercueil. Sa maman pleurait. L'unique de sa maman, elle pleurait. Mais Jésus avait la vie, l'amour avec lui, l'œuvre de la résurrection. Il va croiser le cercueil. Il va toucher le cercueil. Il va toucher le bois. Et la Bible déclare l'enfant ressuscité. Mais comment il touche le bois et il a la résurrection? C'est parce que lui-même il devait être pendu sur le bois. Quelle image de la croix! Et la Bible dit il a été maudit sur le bois pour transformer la bénédiction à notre égard. Il communique la vie. Alors devant la
hasard. Connaissant que la puissance était avec lui, il ne va pas badiner. Il ne va pas dire quoi que ce soit, ce n'est pas possible. Il se lève avec assurance. Il dit, Lazare, sort. Lazare va sortir. Lazare s'approche. Les gens sont étonnés. Alors il va dire, déliez-le et laissez aller. Il est temps qu'on puisse te délier. Tu délies tes amis, tu délies tes copains, tu délies tes copines pour leur dire, déliez-vous, sortez des ténèbres, sortez de la mort, sortez de l'emprise de ténèbres pour voir la gloire de Dieu. Amen. Et il l'a fait parce qu'il avait la puissance de l'amour. Nous voulons être fils du royaume. Nous voulons révéler l'histoire, l'image de Christ ayant l'amour avec nous. Amen. Nous allons tous nous lever, nous allons prier.